taking it slow. Somebody show me the road. Coucou. Donc là on est dans un nouveau vlog, la deuxième partie de jeudi, deuxième partie de, du vlog à Marseille. Ouais, donc c'est la deuxième vidéo. Ouais. Donc aujourd'hui c'est pas très 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 beau. C'est super. Hein. Ouais. On est parti à la plage. La journée, on revient et là on s'est posé au parc du palais du parc du Faro. On regarde, on mange et le panorama. Ouais, on mange encore et on regarde la vue. Voilà. Bientôt fini les vacances. Il nous reste encore une grosse une semaine. Ouais, une grosse semaine, on va dire. Après, bah, c'est fini. T'as bien profité. À la prochaine, enfin demain plutôt, parce que je pense que ce soir on aura rien. En fait, il faudrait que on filme une partie de notre soirée. Là, on fait rien à la soirée. Ouais, on va en mode chill avec nous. Salut! Salut, bonsoir. Donc, on est encore. En fait, c'est aujourd'hui, on était. C'est la soirée du jeudi. Non, ouais, le jeudi. Là, donc, comme on s'est dit qu'on ne filme jamais le soir, et ben on va filmer le soir. Là. Enfin, on va vous montrer vite fait comment. Soir. Skincare, on fait le night. Soir. Enfin, on va vite fait quoi. Donc, ouais. On commence par nettoyer le visage. Moi, je commence par le micellaire. Alors, moi, j'ai déjà mis. Franchement, là, c'est. Cleanser. Je vais faire des peelings comme ça là parce que c'est bon, on se déjà vu dans la vidéo qu'on avait fait. Bon, je vais faire le peeling rouge là de toute façon parce que bah, je l'ai pas fait mercredi. Elle l'a fait mercredi donc voilà. Donc il faut attendre que ça pousse sèche. Moi j'ai la flemme, attendre, ça va aller. Et je l'ai détesté sur mon bras, j'ai pas eu de réaction donc voilà. Toi? Ouais. Ça me pique. Ah, je fais tout avec mes mains. Ça me pique. T'en as mis un kilo, Inès. Un kilo. Un kilo et mes produits. Ah, je vais pas faire les 10 minutes. Ça me pique de ouf là. Je mets ça tous les jours de manière Inès. Ça, ah, ça tous les jours, ça te pique pas. Ici, ça me pique de ouf. Bon, c'est franchement, c'est supportable. En plus, on dirait pas trop ça, c'est rouge. Bon, j'ai mis pas trop. Ensuite, visage à vous dire de pour toi. Ouais, allez, prends. C'est pas celui-là. Bon, j'ai pas mis une minute, on va dire ça bientôt. Squalane, en fait, quoi. Moi je vise tout le temps dans mes yeux donc Toi ça t'avait piqué quand tu l'as mis? Ça pique un peu. À chaque fois que ça me pique. Voilà, j'ai fini. Donc je vais faire le reste de la routine, bah, c'est un peu comme Iris. Je mets un croix déjà. Retinol 0,2 degrés, ça veut dire demain matin, mettre la crème solaire. C'est tout. Hein. Iris, t'as des choses à dire aujourd'hui? Non, à part que je me brosse les dents. Elle va
qu'est-ce que je voulais dire? Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que vous entendez le bruit là, un peu de musique? Et ben, en fait, c'est que dans l'endroit où il y a des bars et tout, et à Marseille, il y a tout le temps de la musique. Il y a tout le temps de la musique, tout le temps. Habite au vieux port. Si vous êtes, vous allez voir. Il y a trop du monde. C'est trop bien. La musique, la chantation, les fêtes. Moi, je me brosse les dents. Je suis trop en avance. C'est un peu lente. Et lui c'est 100% et lui c'est 2. Donc choisissez l'un des deux. Mais lui il est plus fort et lui il est moins fort. Choisissez celui que vous voulez. Et voilà, et moi celui le plus fort aujourd'hui. Parce que voilà quoi. Parce que voilà, je voulais pas me tuer. Ah, je peux pas, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à zoomer. On est en pleine marche, les amis. On est arrivé au palais de Vincent. C'est trop beau. Là, c'est la photo pour un bon moment. Ouais, faut monter. Hein. Mais c'est bon. Et moi, ça les fatigue à nous faire le soleil. Bon, après, on va monter le escalier, mais pour l'instant, c'est un gros plan, on va se donner. Mais j'ai déjà fait ça avec le chantier. Un peu beau. Oui, on se verra plus. Ouais. Voilà, franchement, c'est une belle vue. C'est une blague. Il y a des questions à faire. Oh là là. C'est qu'elle a notre autre part. Mais c'est quoi? Là, je dois chanter. Hein. C'est sûr. Parfois. Vous voyez, il y a de la 20 kilos, 20 kilos dans la maison déjà. Vous voyez? On est en train de sortir. Et ouais. On va quelque part, vous allez voir. On va. Regardez comment ça. Ouais, je crois qu'elle était quelque chose qu'elle ferme là. Je suis là. Thank you.
Non mais ça donne pour l'instant le... Comment? D'accord, on est dans le parc. C'est une petite pause au parc et après on va visiter la ville, vous avez entendu. Moi t'as testé tes cheveux. Alors là on est à la place des 4 dauphins. Il y a 4 dauphins comme vous voyez. Rue, place, 4 dauphins. Regardez, il y a une messe en plein milieu. Ouh, voilà là, les maisons, c'est vraiment beau. Oh, regardez la rue, les maisons, l'architecture, c'est trop beau. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, on a encore acheté des trucs. Qu'est-ce qu'on a vu? Bah d'ailleurs c'est un 5HM. Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a vu? La fontaine. La Mirabeau. Ah oui, d'accord. La statue de Cézanne. Ouais. La maison de Cézanne. On n'est pas rentré dedans parce que flemme. On a vu le marché avec les calissons et tout. Ouais, il y a des calissons. Nous on n'aime pas trop les biscuits comme ça là. Donc là. Et ensuite. C'est tout. Dans leur centre commercial, mais on n'a pas fait le tour, on a juste fait HM, Zara. Ouais. Et c'est tout, mais tout le même. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais. On rentre chez nous. Hein. Et voilà. On va vous montrer le paysage de la route dans le bus. Bon, malgré que ça soit pas trop intéressant, puisque on passe par une route. Mais voilà quoi. En gros, on est passé par Marseille, on a fait un petit détour par Aix-en-Provence et voilà, c'est cool. En fait, je croyais que Aix-en-Provence c'était Provence, genre la lavande et tout, les herbes et tout, mais en fait, c'est plus loin que ça. Salut, à tout à l'heure! Nous sommes au parc! On ne sait pas à quel parc encore. Colline de je sais plus quoi. De la colline. Colline Puget. Colline Puget. Voilà. Mon pote, ils sont en train de jouer aux aventuriers. Je sais pas ce qu'ils font. En fait, ouais, ils montent sur les deux. Et puis, genre, tu fais de l'équilibre. Ah non, il faut pas les aventurer, ils veulent encore faire des photos. Pourquoi il y a autant de lumière comme ça? Mais la lumière, elle est belle. Hein. Bon, Iris, la position, c'est comment? Attends, non, continue. Ton étiquette, elle sort. Hein. En plus, pourquoi t'as pas mis juste un t-shirt noir? Là, tu mets des t-shirts avec des logos. Bonjour. Aujourd'hui on a fait les ménages. Voilà, on a tout nettoyé avant de partir parce qu'on part bientôt, on part demain. Et voilà, donc on a tout nettoyé. Et là on va manger parce que c'est fini, on a fini. Et donc Iris et Clémence, ils ont proposé l'idée, on va faire quoi? Un mukbang. Ouais, c'est ça. Donc on va manger, on va discuter un peu et voilà, c'est tout. Parce que voilà, c'est tout. On va préparer maintenant. Voilà. C'est pas cool, c'est grave bien, frère. Arrêtez là. Ouais, c'était bien. Même s'il y avait un peu de monde quand même, c'est pas. Bah, c'est normal, c'est Marseille. Il y avait du monde, logique. Il y avait beaucoup de touristes. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y avait des Anglais, il y avait des Allemands. On était au Vieux-Port. On habitait en face du Vieux-Port, donc c'était grave cool. Et au Vieux-Port et à la gare Saint-Charles, c'est bien desservi. Genre il y a le tram, il y a le métro. Ouais.
c'est plutôt bien expliqué. Et les tickets coûtent pas trop cher. Enfin, c'est presque le même prix, quoi. Non, un peu moins cher. Franchement, c'est bien, on peut se balader. Donc, parce que tous les endroits qu'on allait, on pouvait prendre les transports. Donc, c'est faisable si vous n'avez pas de voiture. Enfin, si vous n'êtes sans voiture, quoi. En plus, on allait à la plage très souvent. Par contre, la plage, elle est grave bondée. Mais ce qui est bien, c'est que genre personne t'en regarde en fait. Genre, il n'a pas été gêné par son corps. Ouais, par contre, on a continué à manger parce qu'on avait la faim de se lever. Bref, là, on va parler de quoi? De ce qu'on a visité, ouais, voilà. On a fait quoi d'abord? Premier jour, j'en ai fait. Le premier jour, on est parti faire les courses. Ouais, les courses. Franchement, ici, il n'y a que des Monoprix. Mais il y a plein de magasins aussi, hein. Il n'y a que des Monoprix. Il y a des Monoprix. Mais aussi de Carrefour, hein. Il y avait Lidl, ouais, derrière chez nous. Carrefour, il y a pas. Ouais, parce que dans le Galerie Lafayette, il y avait un Carrefour. C'était un Carrefour Market, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait le nécessaire, quoi. Voilà. Et enfin, mais en fait, quand on prend tout notre séjour ici, on n'a jamais vu de supermarché, des vrais supermarchés grands. C'est dommage, mais bon, on est venu pour les vacances, tu vois, donc ça va. Donc ça va. Et ensuite, on a fait quoi les autres jours? Après, on est parti, le lendemain, on est parti à la plage. Là, mais la plage, ok. Après, je sais même pas qu'est-ce qu'on a visité en premier. Hein. Je sais même pas. Moi je me rappelle la dame de la garde. Mais non, la dame de la garde. Ouais, grave. C'est parce qu'on l'a fait en premier. En venant, on vit dans le désordre. Parce que franchement, là, on voit. On est partout au château d'If. Ouais, non, le muséum. D'abord, le muséum. Ouais, d'abord, après, ça fait après, plage, après, ça fait GIF. Voilà. Donc, d'abord, on a fait le muséum. Enfin, d'abord, le fort de Saint-Jean ou le fort de Nicolas, je ne sais plus exactement. On a fait ça. Franchement, c'était cool, c'était joli. On a fait des photos comme d'habitude. Parce que. Et il y avait un peu de monde parce qu'au moment où on est parti c'était gratuit, donc il y avait un peu de monde, mais franchement ça allait. Parce qu'il y a des gens, ils étaient là juste pour bronzer, donc ils étaient assis sur leur transat, ils rentraient pas forcément à l'intérieur, ouais. Donc ça va. C'est grave beau, faut le faire. Franchement, c'est un musée à faire si vous venez à Marseille. Ouais. En plus, il y a des expositions et tout qui sont super intéressantes. Vous allez voir dans le blog de toute manière. Et voilà quoi. Mais ils ont déjà vu parce que s'ils arrivent là, c'est la fin de vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça. D'abord, on était Fort Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je sais plus exactement. Et après, il y a une passerelle incroyable, genre. Une passerelle qui mène jusqu'au muséum civilisation, je sais pas comment ils appellent là. Et franchement, c'est grave cool. Ça a fait. Et voilà, il y a même un restaurant dessus, tout en haut. Et voilà. Donc, ouais, c'était bien. On a fait ça. Même ça, c'est pas ça qu'on a fait le premier jour aussi. Hein. Non, c'est pas ça. Non. On s'en rappelle plus. Moi, je me rappelle du château d'If. Ouais. On a fait le château d'If. Franchement, c'est à faire. C'était trop bien. Le bateau, c'est vraiment trop bien, Marseille. Après, franchement, le château d'If, c'est un peu mal. On fait le tour en 40 minutes. Hein. Même 40 minutes. Si vous êtes tout seul, genre vous lisez tous les écriteaux et vous regardez tout. 40 minutes, ok. Ouais, il n'y a pas grand chose. Sinon, si vous venez juste pour faire un petit tour, en 10 minutes. Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Ouais. Donc on a payé que pour nos parents. Mais par contre, il faut ramener la carte d'identité. Hein. Sinon, ils vont pas vous croire. Ou sinon, ils vont même pas vous écouter. Sinon, voilà. C'est cool. Donc d'abord pour aller au château d'If, faut vraiment quand vous partez à Notre-Dame de la Garde, en plus on a voulu faire les malins parce que soi-disant c'était à côté de chez nous. C'est à côté c'est à côté, mais préparez-vous. Ramenez votre bouteille. Bon après si vous venez en été ou en hiver, ça dépend. Mais préparez-vous, ramenez votre bouteille d'eau, vos chaussures correctes. Hein. Vraiment. Par contre moi je vous dis, si vous êtes seul ou genre voilà, allez-y d'un coup. Genre vous carrément même vous courez, vous allez courir. Parce que si vous commencez à prendre trop de temps, vous allez jamais monter. Franchement, vous courez pas. C'est une galère pour monter. Vous courez pas. Ça sert à rien. Et franchement, il y a beaucoup d'escaliers, je sais pas exactement, mais il y en a beaucoup. Ouais. Faut monter l'escalier jusqu'à aller à l'église. Et quand c'est de l'église, faut monter. Mais après à l'intérieur aussi, il y a un ascenseur. Pour profiter du panorama et tout, on voit tout Marseille. C'est surtout pour la vue en fait. Par contre, il n'y avait pas trop aux hauteurs de Metz. Ouais, ils font des messes. Mais faut attendre après. Dans le musée. Bon, après, on est parti au musée du savon, mais c'était hier, quoi. C'était simple. On n'a même pas filmé. Si on a filmé.
Non, on a fait. Ah, non, bah t'as filmé, peut-être que vous aurez les images, je m'en rappelle plus. Ça, pardon. On a filmé, on a acheté des trucs. Est-ce qu'on les remontre? Je sais pas, ils sont où? C'est dans la chambre des parents. On dit qu'on va tout faire dans cette maison. Là, je... On a acheté un peu plus de choses. Un coffret de savon. Il y en a trois dedans. Ouais, il y en a trois. Et il y a des pas saveurs, comment on dit ça? Des senteurs. Des senteurs différentes. Il y en a plein dans leur magasin, mais franchement. Ouais. Du savon quoi. Ouais, ouais, voilà. Savon de Marseille. Après, on a acheté du savon liquide. Marseille aussi. Au miel. Oh, celui-là est grave. Il y avait verveine, il y avait citron, il y avait. Et après. Olive. Il y avait lavande et tout, mais on s'est dit, miel, ça change un peu. Après, on a acheté deux blagues de savon. Et c'était quoi la senteur? Des trucs, c'est sûr, mais ouais. Franchement, nous, c'était incroyable. On a bien aimé ce voyage. Ouais. Même si c'était avec nos parents. En plus, il faisait tout le temps chaud. Ouais, il faisait tout le temps chaud. Bon, ça, par contre, c'est un peu chiant parce que ça sonne vite. Et voilà, ça, mais c'est cool, mais c'est un mal des vacances. Ouais, voilà, c'est des vacances. Mais ça sonne vite. Et voilà, sinon, c'était bien. On a bien aimé ce voyage. Ouais. Ouais, parce que pour nous, c'est quand même rare de voyager en France. On part souvent en Afrique. Enfin, cette année, on n'a pas pu. Alors qu'on est touriste. Et franchement, on a vraiment beaucoup aimé ce voyage. Et voilà. Ouais, c'était vraiment bien. C'est vraiment amusant. Ouais. Avec nos parents. Bon, les gens ils vont dire, ouais, c'est bizarre pour être avec nos parents. Mais pour nous, on aime bien. En plus, on s'est trop barré. Ouais, franchement. On a trop rigolé. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore c'est à faire des jours. Voilà, c'est les gens, on a fait le ménage, on a mangé. Là, c'est la pause, là. Mais voilà, on a fini ce film. On a fait tout, hein. On a fini de manger aussi. Donc, voilà quoi. À demain. À demain. Pour le voyage. On se retrouve demain à la gare Saint-Charles. Peut-être on aura encore des trucs à filmer, mais ça m'étonnerait. Ouais. Parce que, ouais, peut-être. Et voilà. À demain. À demain. On n'a pas dit 16 heures. Nous cherchons le déplacement de l'arbre pour savoir où. Putain, je pense qu'elle soit connaître. Putain, c'est trop. Attends, c'est lui, il est parti. T'as perdu tes lignes. Je sais pas, je les ai foutues encore. Et on va attendre encore. Presque 30 minutes. Là. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça.